Cela fait déjà une semaine qu'un abonné me spam sur Discord, comme quoi il veut me donner un fruit permanent. Apparemment, c'est le meilleur fruit pour faire des sea events, en gros tuer les subistes. Mais aussi c'est le meilleur fruit quand tu viens de commencer Blue Fruit et que tu ne sais pas vraiment quel fruit prendre parce qu'il a tellement beaucoup d'avantages. Le voilà, il est juste à côté de moi et il se nomme Twizzard. Bon, maintenant on va profiter pour aller trade. J'espère que je ne vais pas être dessus de ce fruit. Let's go. Alors, qu'est-ce que c'est? Magma perm. What? Aïe aïe aïe. Wesh. Oula, je pense que là je vais te passer vraiment mon dernier fruit qui est le fruit des dragons. Allez, vas-y, tiens. Merde, aïe aïe. Mon dragon, ça fait mal au cœur, wesh. Je vais le perdre comme ça. Wesh. Au revoir, dragon. On se reverra dans une prochaine vie. Alors, il est où le fruit? Il est où? Ah, il est là le magma! Let's go! Avant d'aller profiter avec mon nouveau fruit, le gars qui vient de me trader le fruit vient de me proposer un 1v1. Il veut évaluer son niveau de PVP avec moi. Même si je sais qu'il a que 2,5, je vais lui laisser jouer tout ce qu'il veut, tout en jouant le set de base que j'utilise. Allez, c'est bon, je suis prêt. Wesh! Déjà? Hé, hey, Kitsune! Kitsune prêt! Allez! Ok, 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 ok. Le combo! Allez, let's go. Wow, one shot, 16 000 dégâts. Ouais, c'était rapide, hein. En fait, je voulais pas toi one shot, mais ça s'est passé tout seul. Deuxième round. Ok. Oh, test stun. Je sais pas ce que tu fais, mais test stun. Allez. Oh, rip, t'es mort. Wesh, mais c'était rapide. Il s'est passé quoi, là? Ok. Wow, 12 000 dégâts, il était pas mort. Oh, la dinguerie. Wesh, je vais te choper. Ah, ok, clic, let's go, médaille. Nous voilà avec le fruit de magma. Il est quand même incroyable parce qu'on peut rester dans l'eau alors que c'est un fruit de magma, mais il faut l'avoir en V2 pour ça. Par contre, quand on marche, on tombe dans l'eau. C'est un peu moche, je trouve. Mais par contre, dès qu'on se met à courir, à faire des dashs, là, on ne tombe pas dans l'eau. Je vais essayer de l'utiliser dans 3 parties, c'est-à-dire, je vais d'abord commencer par faire un raid, puis l'utiliser en PVP, et puis pour finir, je vais faire des sea events afin de vous montrer les avantages qu'on peut avoir avec ce fruit. Du coup, on va commencer directement par les raids. Mais pourquoi t'as pris le raid flamme? Je voulais que tu prennes une raid magma. Non, bon, c'est pas grave, l'important c'est de faire un raid. Même si je t'avoue que je ne m'y attendais pas sur un raid flamme, je voulais un raid magma. Bon, je vais d'abord commencer par équiper le fruit de Bouddha pour faire un petit glitch. J'aime juste équiper Bouddha pour faire le glitch. Ça ne marche pas, aïe, ça marche pas, wesh. Wesh, mais t'as déjà fini le raid là. En fait, je peux rien faire si t'as déjà fini le raid. Bon, c'est pas grave, je vais d'abord essayer le glitch. Il a fonctionné, parfait, nickel. Allez, maintenant je vais équiper le fruit de magma. Il est où? Il est là, voilà magma. Maintenant, on va partir sur les autres îles, voilà. Et on peut courir dans l'eau, ça c'est déjà incroyable. Voilà, ça me permettra de ne pas tomber dans l'eau. Parce que j'avoue que quand j'avais pas le fruit de magma, c'était galère hein, pour aller dans les autres îles. Surtout quand t'as pas la race fiche. Et maintenant, vu que j'ai fait le petit glitch, je peux juste spam. Allez. Ok, let's go. L'île, elle est bientôt finie. Ok, c'est bon, je tue le dernier mob. L'île, elle est finie. En fait, c'est toi qui l'as tué. Maintenant, on est dans la troisième île. Et ne te rapproche pas d'ici. Sur cette lave, dès que quelqu'un vient ici alors qu'il a pas le fruit de magma, il se prend des dégâts automatiquement. Même lui là-bas, il va se prendre des dégâts. C'est bon, le mob il est mort. On peut passer sur l'autre île là-bas. Eh, mais toi, tu tues les mobs vite, hein. Wesh. Wesh, mais laisse-moi les mobs. Ah, tu les as tués. J'ai tué le dernier, c'est bon. Quatrième île. Let's go. Et franchement, quand on tombe dans cette lave, ça fait tellement de dégâts. Mais une fois qu'on a le fruit de magma, j'avoue que là, on peut grave le rentabiliser parce qu'ici, je peux tomber dedans, je me prends 0 dégâts. C'est bon, j'ai tué tous les mobs ici. Wesh. Ah ouais, tu la stun bien. Hein, il est stun de fou là, il peut rien faire. Je vais essayer de voler le boss. Je pense pas que je vais y arriver. C'est bon, il est mort, le dernier mob. Let's go, c'est fini en 7 minutes et 23 secondes. En vrai de vrai, j'ai eu l'impression que j'ai rien foutu dans ce raid là. J'aurais dû faire un raid solo, carrément. Parce que le mec avec son Bouddha là, il a pris tous les mobs. Bref, là je vais passer en mode PVP, mais j'aimerais d'abord changer le setup. J'aimerais utiliser que des trucs rouges, tout en commençant par le style de combat. C'est-à-dire, il me faut le sanguinard. Et voilà, le NPC il est là, on va acheter le sanguinard, même s'il ne coûte que 0€. Je l'ai encore mastery 372, pas encore mastery 600. À présent, il nous faut une sword rouge. Je sais pas vraiment ce que je devrais prendre, parce que là, il y a pas mal de choix en vrai de vrai. De toute façon, je peux prendre soit la CDK, voilà, le Cursed Gel Katana, ou le Halo Sight. J'avoue que je peux tester le Halo Sight en vrai. Elle est rouge, comme on peut le voir, bien soignée. Mais sauf que je crois que les attaques, elles sont aussi rouges. Je vais tester les attaques pour voir un peu. Donc, hop. Ouah, c'est un peu la même couleur que le magma. Hein. Mais en vrai, la Rangoku aussi, elle est rouge. Donc, du coup, je peux tester la Rangoku. Hey yo, oh la dinguerie. Comment le sabre, il est bien rouge, bien soigné. Mais je doute que les attaques soient rouges aussi. Enfin,
Après, il y a aussi le dragon trident. J'avoue que le dragon trident, il n'est pas aussi écarté parce que vraiment, la couleur de dragon trident, elle va tellement bien avec mon skin. Mais c'est dommage parce que je trouve que les attaques, elles sont bleues. Dans Zuko, ça fait pas vraiment un effet rouge. Alors que moi, il me faut que des trucs qui sont bien, bien rouges. Alors, en vrai, je peux tester la CDK. Les deux swords, bon, elles sont faites blanches, rouges, mais ça peut le faire. Si je teste les attaques, elles sont... Ouais, en vrai, ça peut le faire, la CDK. Mais je trouve qu'elle est un petit peu trop toxique. A few moments later. C'est bon, j'ai décidé de prendre cette sword là. Elle est bien soignée, Allocite. En plus, la pose, elle est incroyablement bien. Donc du coup, je pense que ça va être quand même galère de l'utiliser, étant donné que je ne l'ai jamais utilisé. Bon, là, il me reste à changer la race. Donc, je vais ici, et voilà. Oh non, j'ai oublié qu'il y avait ce fruit dans mon inventaire. Oh non, j'ai trop la haine, j'ai perdu un fruit comme ça, le fruit de magma. Et moi qui disais que c'était un fruit important. C'est pas grave. Allez, ici on vient récupérer la race Ghoul parce que elle est un peu dark. Donc du coup, on va l'utiliser cette race. Let's go la race Ghoul. Maintenant, niveau gun, on va utiliser le gun que j'utilise de base. Hein. Enfin, Kabusha, Burst Gun. Première attaque, il y a la flamme. Et la deuxième attaque, bah, il y a du vent. À présent, je pense que je suis prêt pour aller PVP. Même si tout ce que je viens de prendre, je ne les ai jamais utilisés. Ouais, entre le style de combat, le fouille, le gun, ainsi que la sword. Nous voilà en faveur public, j'espère que je vais pas me faire défoncer, mais j'ai même pas de combo en plus de ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a les stats, ouais. Il y a les stats, je me suis mis en freezer avec 4 points sur la sword. Ok, il y a des personnes là-bas qui farment, on va les déranger. Bon, il y a quelqu'un qui est ici en train de faire Big Mom, je vais venir déranger le fight. Wow, 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 wow. Ah la dingue, wesh, je me suis pris une attaque. Hé, hey, il a Bouddha, j'avais pas remarqué. Ouf, régène-moi, 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 merci. Là on utilise que des trucs rouges mon gars, on utilise que des trucs rouges nous. Attention, il va mourir. Ah il est mort, et j'ai reçu des honneurs. Merci, vis fort. Let's go. Oh mon dieu! Oh shit! Il faut pas qu'il tue le boss, il faut que j'aille prendre la quête! Laisse-moi prendre la quête! La quête, la quête, la quête, la quête, la quête! On prend vite la quête avant qu'il tue le boss parce qu'après j'aurai pas l'argent! Bon, pendant qu'il va faire le boss, nous on va s'amuser pour aller chercher les gens à qui on va PVP. Il y a un hacker qui est là-bas! Il y a un hacker, il y a un hacker, il y a un hacker! Et on l'a kill, on a kill le hacker! Je suis en V4, attention, 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 je suis en V4. Par contre, je sais pas utiliser tout ce que j'utilise, mon gars. Donc, pardonne-moi si je veux. Wesh, mais c'est trop bien. Oh, il y a un Bouddha user qui spam. Il y a un Bouddha user qui spam là-bas. On le spam aussi. Attends, il m'a capté, elle a V4, hein. Je crois, hein. Wesh. Il tient la V4, oui, il a la V4, non, oui. Non, wesh, c'est ce skin. Lui là-bas c'est un hacker, wesh. Lui là-bas c'est un hacker. Mais comment il s'appelle? Tellement il va vite, hein. Non, wesh. Non, c'est ce skin, wesh. Non, oui, laisse-moi. Oui. Non, oui, il a le 4. Non, il a le 4. Non, mais ça se fait pas. Vas-y, V4 moi aussi. Non, oui. Let's go, je l'ai kill. Allez, vas-y, let's go, il est mort. C'est parti. Eh, la V4, ça carry, hein. Hey, let's go. Kill. Oh mon dieu, il est mort. Attendez, attendez. En fait, la dégaine de la V4 de Ghoul, elle est trop OP. Regarde-moi ce truc. Oh là 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 là. En plus, avec mon skin, ça le fait trop bien. Oh, il y a le... C'est bon, il y a le boss Indra, il y a le boss Indra. Let's go, on va profiter pour le tuer. Attends, mais il y a des gens là, j'ai pas leur PVP. Ah, j'ai touché une genre. Ah, j'ai kill des gens. Wesh, j'ai reçu des honneurs. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Let's go, on la kill. En plus de ça, on a obtenu la Dark Dagger et la Valkyrie Helm. Oh, c'est incroyable ça. Mais le meilleur dans l'histoire, c'est que j'ai reçu des bounties. Maintenant, je suis à 10,9. Incroyable.
Allez, il y a un abonné là qui m'a dit qu'il voulait me donner un truc, il s'appelle The King. Ok, il veut me trade un fruit, c'est quoi? Oh, dragon! Alors là, dire que j'ai sorti dragon, alors je vais lui donner spirit et aussi un fruit de gravité, vas-y, je vais lui donner. Oh non, ça passe pas, 41%, je sors le spirit. Hey, hey, t'es les rats originels, vas-y. 12 seconds later. Plus que 2 secondes, 1 seconde, let's go! Grave, ça j'ai trop de la chance, soit c'est des gens qui sont très généreux. J'ai sorti mon dragon pour avoir le magma perm. Et maintenant, en voilà un dragon. Oh, franchement, merci beaucoup The King, je ne t'oublierai pas. À présent, je vais aller faire les sea events. Donc il faut que j'achète le bateau le plus cher pour avoir le plus de chance. Il coûte 5000 le Guardian. Mais c'est dommage, j'ai pas un bateau de luxe. Oh, il y a déjà des bateaux marines. Let's go, let's go. Allez, le premier il est parti. Ah, 25 000 fragments. Ah non, c'est 25 fragments. Oh, le grand il est parti, c'est bon. Hé, hey, les dégâts. Wesh. Let's go. Bon, on a ratatiné tous les bateaux qui étaient là. Mais wesh, il y a d'autres bateaux. Wesh. Oh, la dinguerie. Par contre, je ne pense pas vraiment que mon bateau va survivre trop longtemps. Mais on va quand même essayer quand même de se débarrasser de ça là. Ok, ok, il ne reste plus que le guerre en bateau. Allez. Mon bateau il a pris extrêmement trop cher. Waouh, je l'ai fini. Par contre là, mon bateau il a pris trop cher. Waouh. Oh non, les piranhas. Oh shit. No way, il y a encore des bateaux qui sont spawn encore. Bon bah, let's go. Hein. Ok, il y a un bateau qui a pris cher. Il faut se débarrasser du plus gros. Voilà. Maintenant, le plus petit. Voilà. Bon. Ouh, il reste encore des HP sur mon bateau. Il faut que je le répare. Oh, j'en ai grave besoin. Enfin, le soleil se... Non, t'es en shark. Enfin, ce que j'attendais. Let's go. Je ne touche pas d'ici. Hein. No way. Bon, par contre, il va falloir que je fasse en sorte qu'il lâche mon bateau parce que sinon, ça va être terrible. Ok, il me reste 1000 HP. On va essayer de... Non. Stop, oui, il a dû. Pour faire un terrain shark. Non, je viens de capter. J'ai regardé mes bontés. Mon Dieu. 29,9. Eh, hey, des sharks. Oh! Rumbling Water! Oh, no way! V4! No way! Let's go! J'en ai tué une! Oh, le deuxième! Attends, non, je les ai pris tous les deux en même temps! Let's go! Par contre, les sharks là, ils continuent toujours à manger mon bateau. Wesh, ils en ont vraiment pas fini en fait. Regardez-moi cette dégaine de malade avec cette race V4. Oh, je pense que je vais la garder à présent. Et c'est parti! Le Sibis, il est là! Yeah. Mon bateau! No way! J'ai plus de bateau! Wouah! Let's go! Bon! Ok, la bonne nouvelle c'est que on a tué le Sibiste. Mais la mauvaise nouvelle c'est que notre bateau elle s'est fait complètement saccager. Franchement, d'après ce que les gens ils disaient, que faire des sea events avec ce fruit c'est un truc de malade. Moi maintenant je suis totalement d'accord avec vous. Le fruit de magma il a beaucoup trop d'avantages que d'inconvénients. Déjà qu'on peut voler, qu'on peut marcher sur l'eau et qu'on peut marcher sur la lave. Et le pire dans l'histoire c'est qu'il est le guia. Donc si vous allez farm avec ce fruit, bah les mots peuvent pas vous toucher. La seule inconvénient que je pourrais dire sur ce fruit c'est qu'il est trop dur pour PVP. Enfin, pour moi personnellement, mais ça se peut qu'il y a des gens qui arrivent bien à PVP. Ceux qui arrivent bien à PVP avec ce fruit, n'hésitez pas à me contacter, j'aimerais bien apprendre à l'utiliser moi aussi. Pourquoi pas?